Good morning, allez, Idan et Tutra aujourd'hui, le Nishmat, le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shalom Binyamin ben Mazal, ainsi que Nirfuat, Refel Zvulun ben Chaya Malia, Miriam bat Rassidadov ben Yudit et Sarah bat Betirka betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contre la 5e Mishnah éternelle, nous étudions la Sechet Rolin, Perektet, Mishnah Dalet. O Sheyesh Alav Kazait Basar, Han Nogea, Betziv, Ayotse Mimenu, Uve Sahara, Shekenegdur Otame, Ayu Alav Kishne Chatzai Zetim, מתאמה במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא במגע ולא במסע. הוא מודה רבי עקיבא בשני חצי זיתים שתכוון בקיסן, והסטן שהוא תאמה. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור, מפני שהאור מבטלן. On continue, bien sûr, avec les ilchot tuma ותארה, les lois de pureté d'impureté des viandes. À titre d'exemple, on avait évoqué donc un kazaït de cadavre, un volume d'une olive d'un cadavre, d'animal. Il véhicule une impureté, on a parlé jusqu'à maintenant que je deviens impur lorsque je le touche. On avait appris même que si ce kazaït il est rattaché encore à sa viande, à sa peau, naturellement, pour le moment, même si la peau elle-même ne véhicule pas l'impureté lorsqu'elle est à part, mais lorsqu'elle est reliée à la viande, si je touche la peau, je deviens impur. D'accord ? Je rappelle ce qu'on a besoin pour ensuite mieux découvrir la Mishnah. À part, c'est une autre halakha. Jusqu'à maintenant, on a parlé que je touche la viande. Il faut savoir aussi que si je déplace la viande sans la toucher directement, je deviens impur. Comment c'est possible? C'est très simple. Imaginez par exemple que je la déplace avec un bâton. Je déplace la viande sans entrer en contact direct. Et le bâton va prendre qu'il s'agit en fait d'un bâton, un vulgaire morceau de bois qui n'a aucun récipient, réceptacle. Donc il ne véhicule pas d'impureté. En théorie, par rapport à la route de contact avec l'impureté, je ne deviens pas impur. Mais je deviens impur lorsque je le déplace, sur le simple fait de déplacer, même s'il y a un bout de viande qui se trouve sur un peu sur la crotte, mais ça se retrouve sur une table, et je pousse la table, je deviens moi-même impur, même si par rapport aux lois des contacts, je ne suis pas entré en contact avec la viande. C'est une impureté spéciale que la viande impure, les cadavres véhiculent, le betumat massa, lorsqu'on les porte, lorsqu'on les déplace. D'accord? Encore une dernière petite introduction, ça va être nécessaire, comme ça après, on va tout de suite découvrir toute la Mishnah, c'est que lorsqu'on dit qu'un kazaït de viande te rend impur, oui, un kazaït de viande te rend impur, mais deux demi-kazaïtes de viande ne te rend pas impur s'ils sont chacun séparés et que tu touches un puis l'autre. C'est-à-dire, on a dit un volume d'une olive, 30 grammes disons, on va faire 15, on va le couper en deux, on va mettre 15 grammes d'un côté et 15 grammes sur une autre table. Je touche l'un, puis je vais et je touche l'autre ensuite. On ne va pas dire que j'ai touché un kazaït, il faut les toucher ensemble pour devenir impur. D'accord ? On a présent tous les éléments, on commence tout de suite la Mishnah. Or, Shayesh Alav Kazaït Basar. Une peau d'animal, on a dépecé l'animal, et il s'avère qu'il y a un kazaït qui est resté planté là-bas. Donc, on devient impur si on touche la viande, on devient impur si on touche la peau. Maintenant, on va découvrir d'autres choses. Anoga Betziv Ayotsemimenu. Celui qui va toucher sur le Tziv. On va expliquer c'est quoi exactement cette petite languette qui pendouille. Qui sort de lui, de la viande ou de la peau, ou va s'arracher Kenegdo, ou encore celui qui va toucher les poils qui sont de l'autre côté de la viande, tamé, il est impur. Bon, les poils qui sont de l'autre côté de la viande, on a compris, on parle par exemple d'un mouton, il y a le kazaït de viande collé à la peau, comme on a dit, si on touche la peau de l'autre côté, eh bien on devient impur. La Mishnah, maintenant, elle me dit, mais tu sais, mais c'est pas que la peau, c'est même s'il y a de la laine qui est encore attachée à la peau, et que maintenant, puisqu'avec cette laine, tu peux déplacer le bout de viande, c'est un statut de yadot, de chibour, c'est un contact direct, et ça va véhiculer l'impureté, tu vas devenir impur en touchant le morceau de viande, si s'agit de nevela. D'accord? Maintenant, la Mishnah enseigne que même si tu vas toucher le tziv qui sort de lui, comprendre le tziv, c'est un peu délicat, c'est quelque chose qui pendouille, qui est rattaché, qui n'est pas franchement le morceau de viande, si on compile le Bartanora avec le Tiferet Israël et le Rambam en même temps, ça nous sort qu'en fait, il y a à l'endroit où la viande est rattachée. Vous imaginez bien, lorsqu'on dépèce l'animal, il y avait de la viande qui est attachée. Alors en général, tu vas réussir à séparer la viande de l'animal, de la peau. Mais de temps en temps, il va y avoir des petits ratés, il va y avoir des petits bouts qui vont pendouiller. Et là, il s'agit en fait d'un petit bout de viande qui pendouille, qui apparemment, tel que tu vas réussir, il propose, qui est encore en contact avec la viande, mais ce n'est pas un vrai contact profond, tel que le Rambam propose maintenant. C'est aussi rattaché à la peau, donc c'est rattaché à la peau et à la viande, plus ou moins, si je compile les deux. Et il y a un petit bout de gras blanc comme ça qui pendouille, par exemple, eh bien, en entrant en contact avec lui, tu deviens aussi impur, même si lui-même ne fait pas un kazaït,
parce qu'il est rattaché à un au kazaït de la qui est attaché sur la peau. D'accord? On a fini la première partie de la Mishnah, deuxième partie de la Mishnah maintenant. Hayu alav kishnei chatzae zetim. Il y avait sur le morceau là, sur la peau, ouais, on a dépecé la vache, et on se retrouve maintenant donc avec une belle peau de vache, 2 mètres sur 2 mètres, je sais pas, un large morceau, mais d'un côté, il y a un petit demi-zaït de viande, impur de Nevela, et de l'autre côté aussi un demi-zaït de Nevela. Il s'avère que maintenant, je ne peux pas devenir impur Betumat Maga en entrant en contact. Si je touche l'un et puis après je touche l'autre, je ne vais pas devenir impur. Mais si je vais déplacer la peau, il s'avère que je suis en train de déplacer un kazaït, alors est-ce que je deviens impur sur le fait que je compte, que je déplace la peau uniquement ou non? Eh bien, il y a une discussion. Et elle est compliquée à comprendre, la discussion. C'est flou au possible, pour moi personnellement. Pour le moment, on traduit les mots. Ayu alav kishnei chatzae zetim. Il y avait sur la peau 2 demi-zaït. Un d'un côté, un de l'autre. Metame bemasa velo bemaga. Eh bien, ça va, tu vas devenir impur si tu vas la déplacer, parce que tu déplaces un kazaït de viande nevela, très fin, nevela. Mais velo bemaga, mais tu ne vas pas devenir impur en contact si tu touches un, puis ensuite tu vas aller toucher l'autre. Donc, selon Rabbi Ishmael, on peut dissocier. Il peut y avoir une viande qui va nous rendre impure si on la déplace, tandis qu'elle ne va pas nous rendre impure lorsqu'on va la toucher. Telle est la vie de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, lo bemaga, velo bemasa. Selon Rabbi Akiva, cette viande ne peut pas te rendre impure ni par contact, ni en le déplaçant. Au sens simple, et comme ça, il y en a qui expliquent, c'est que Rabbi Akiva, en fait, lui, il dit que non. Une viande qui ne peut pas te rendre impure par contact, eh bien, elle exclut de la touma, de l'impureté, et dans ce cas-là, elle ne va pas te rendre impure même si tu vas la déplacer, même si concrètement tu déplaces un kazaït. Mais en fait, en réalité, ça ne va pas être exact, sinon on va pas s'en sortir avec la suite de la Mishnah. Alors, en fait, on va découvrir que Rabbi Akiva, en fait, il a une raison un peu différente. Et on continue la Mishnah d'abord. On va dire Rabbi Akiva, Bishnei Chatzae Zetim, Shetravan, Bekeisam. Rabbi Akiva reconnaît que si tu as planté 2 morceaux de zaït, 2 demi-zaït, dans un keisam, dans une broche, même longue, et que tu vas la déplacer, eh bien, vehesetan, et tu les as déplacés, tu les as fait bouger, chez Utame, tu deviendras impur, même s'ils ne sont pas en ce moment, franchement, comme ça, tout ça, tu l'expliques, c'est apporté dans le Sotium Tov. Même s'ils ne sont pas, concrètement, ils ne sont pas en contact, ils ne sont pas collés dans le temps, ils sont sur une seule broche, une seule brochette. Donc tu ne peux pas les toucher, dis-le concrètement, mais tu peux facilement essayer de les rapprocher et puis les toucher, en fait. Et donc, puisque maintenant, tu décides de finalement juste de déplacer la broche, eh bien, la brochette, eh bien, tu vas devenir aussi impur parce que tu passes un kazaït. C'est le Fabien Akiva, il reconnaît en fait que le fait de déplacer un kazaït, même s'il n'est pas collé en un seul endroit, ça va véhiculer l'impureté, bien que, concrètement, en l'état, tu ne peux pas devenir impur en entrant en contact avec les deux. Malgré tout. Et pourtant, Umipnema Rabbi Akiva Metaher Baom, mais alors pourquoi dans ce cas-là Rabbi Akiva il s'est obstiné à dire que dans la peau, qu'il y a un kazaït, un demi-zaït d'un côté, un demi-zaït de l'autre côté, que tu ne vas pas devenir impur lorsque tu déplaces, c'est le même principe. C'est comme sur ta brochette, que tu n'étais pas macpide, que les deux demi-zaït soient les deux en même temps. Ils pouvaient même être séparés. Alors pourquoi sur la peau, c'est pas la même chose? Pourquoi? Parce que la peau va les annuler. C'est-à-dire, en fait, c'est très simple, c'est que lorsque tu dépaisses la peau, alors, il y a un moment, une notion générale dans tout ma vétara, dans les lois d'impureté, c'est que même de la nourriture, tant qu'elle a un statut de nourriture, elle véhicule une impureté. Mais dès qu'elle arrête d'être une nourriture, elle a plus qu'un statut de nourriture, eh bien, elle va cesser d'être de véhiculer l'impureté. Eh bien, c'est le même principe. Lorsque tu vas dépecer la peau, et qu'il va rester un petit bout par-ci, un petit bout par-là, tu n'as plus d'intention de les récupérer, ces deux-là. Tu vas les prendre, tu vas les enlever, tu vas les jeter. Ils n'ont plus un statut de Nevela. Puisqu'ils n'ont plus un statut de Nevela, alors à Ormevatlan, la peau va annuler leur entité, leur importance, et donc ils ne vont plus véhiculer l'impureté. Voilà comment ça sort du Barthénora selon Tosotium Tov. Il y a un petit problème dans le Barthénora, c'est pas Mashma comme ça quand même, c'est plus Mashma que Rabbi Akiva en fait. On dirait plutôt que Rabbi Akiva en fait, que le problème de Rabbi Akiva, il est que
Il est que concrètement, il faut que les deux morceaux de Zétine soient les deux réunis ensemble. C'est plus compliqué à expliquer, mais enfin, voilà. On a traduit la Mishnah, on a même proposé une interprétation selon Tosfot. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de l'Eslachakol, tout ça.